Allez, c'est parti les amis, on est parti pour analyser les énoncés et les transformer ensuite. Let's go. Vous allez voir que les gros problèmes de suite, ils commencent toujours avec une petite histoire. Un éleveur possède 500 lapins, chaque année il perd 3 lapins, ou chaque année sa population augmente de 3%, blablabla, blablabla, blablabla. Et votre travail à vous, ça va être de transformer cet énoncé en une suite. Un barrage se remplit de 5000 litres d'eau par mois. Dans le même temps, 3% de l'eau s'évapore. Donnez le terme général de la suite qui donne chaque mois la quantité d'eau dans le barrage. Donc, le terme général, ça veut dire qu'on attend de vous une formulation récurrente. C'est-à-dire, comme vous le savez très bien maintenant, un plus 1 en fonction de n. Et non, un plus 1 en fonction de un. C'est bon, pour voir si vous suivez. Donc, notre barrage, chaque mois, il va se remplir de 5000 litres d'eau. Mais en même temps, chaque mois, il y a 3% de l'eau qui va s'évaporer. Donc, vous, vous savez, vous attendez une formulation récurrente. Donc, ça va commencer par un plus 1 égale. Et vu que c'est une formulation récurrente, vous allez avoir du un. Donc, vous vous dites, 3% de l'eau s'évapore. Donc, si 3% de l'eau s'évapore, comment est-ce que j'applique ça mathématiquement? Comment est-ce que je prends le stock d'avant pour arriver au stock d'après? Si j'ai 100 euros et que j'ai 3% de mon volume d'argent qui s'est évaporé, combien est-ce qu'il me reste d'euros le mois suivant? Il me reste 97 euros. Donc, comment je fais pour traduire mathématiquement une perte de 3%? Et bien, pour traduire mathématiquement une perte de 3%, je multiplie par 100 moins 3 sur 100. 100 moins 3 sur 100, ça fait 97 sur 100. Et 97 sur 100, ça fait 0,97. Hop. J'aurais pu m'arrêter là. Mais sauf qu'il n'y a pas que 3% qui s'évapore. Chaque mois, il se remplit aussi de 5000 litres. Donc, il faut que je rajoute à ça 5000 litres. Hop. Plus 5000 litres. Et là, vous encadrez et vous prenez le premier point. Deux remarques. Déjà, les haters auraient pu dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'abord rajouté 5000 litres avant de dire que ça s'évapore? Je suis d'accord avec vous, c'est jamais clair dans ces énoncés-là. Mais sachez que dans tous les cas, vous allez faire deux choses. Multiplier un et y additionner quelque chose. On commencera toujours par la multiplication et ensuite on fera l'addition. C'est comme ça que ça se passe, ne m'en demandez pas plus. Deuxième remarque, ça vous fait penser à rien ça? La vidéo juste avant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les suites qui sont arithmético-géométriques, c'est-à-dire où on passe du terme précédent en multipliant par quelque chose et en ajoutant quelque chose. Donc en fait, cet exercice-là, c'est juste l'entrée en matière de l'exercice qu'on a vu précédemment, qui est la suite arithmético-géométrique. Et si vous combinez les deux ensemble, vous avez franchement 8 points de votre contrôle. On vous en a mis, à vous de jouer.